Et oui, la mode, ça marche aussi pour les doigts de notre petite Mimine. Et c'est grâce à Jenna. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Léa? Je vais te présenter des bagues pour tous les styles et pour tous les prix. À commencer par les bagues de Morgan Bello. Il s'agit de bagues en or jaune avec des coussins d'onyx soit noir ou soit en quark fumé. Selon les styles, je trouve ça super joli. Ça vaut 150€ chacune des bagues. Ouais. T'aimes bien ? Ah, moi j'adore. Et puis je trouve qu'elle me va à ravir. C'est vrai, c'est vraiment ton style. On va continuer avec des bagues de Marion Godard. Cette fois-ci un peu plus kitsch puisque je vous propose une bague de couleur fuchsia avec un disque orange en résine qui coûte 18€. Ou encore toujours chez Marion Godard, le même style, une bague noire avec cette fois-ci un disque où est imprimé un chaton qui coûte 21€. Ou autre chose aussi. Pour être, pourquoi pas, en soirée, briller telle une boule à facettes, cette bague aussi de Marion Godard, sous forme de boule à facettes, en résine, de couleur noire, qui coûte 18€. Laquelle tu préfères des trois ? Bah, des trois, je préfère celle-ci, là, la dernière, exact, parce que si on t'embête, ça fait mal. Direct, tu penses à self-control, toi. Non, mais elle est bien, tu passes pas inaperçu avec ça, et à mon avis, c'est un peu le but du jeu aussi. Exactement, et en plus, t'as pas pensé aux petites confiseries qu'on mangeait quand on était petite, les sucettes acidulées. Les sucettes surprises, etc. Exact, enfin bref, on continue avec des bagues de chez Claire cette fois-ci. Je te propose une bague zébrée de couleur noire et rose. Et en plus de ça, elle est réglable. Et le truc de ouf, c'est qu'elle ne coûte que 3,90€. Tu aimes ? Ah, j'adore. C'est un style particulier, mais écoute, ouais, c'est très joli. Ouais. On continue avec une bague cette fois-ci qui coûte 1,50€, les filles. Alors pour être tendance, vous ne pouvez pas me dire que c'est pas possible. Il s'agit d'une bague bleue à tête de mort avec des têtes de mort blanches. Il y a d'autres styles un peu plus soft, soit avec des cerises ou tout simplement une bague bleue avec des petits points. Et ça coûte que 1,50€ chez Claire's. Autre style cette fois-ci pour 4,90€, je te propose 5 anneaux. Un lot de bagues avec 5 anneaux de toutes les couleurs, argenté, rose, jaune et corail. Alors il paraît que pour celle-ci, il y a une façon spéciale de les mettre, que tu mets l'argenté. Exactement. À la base, les trois de couleur ensuite et la dernière argentée. Exact. En sommet. T'as vu comment dis donc, je suis tendance. Là, tu fais des progrès, c'est un truc de fou. C'est pas mal, hein. Et pourquoi ça ? Eh bien écoute, je pense que c'est pour donner un peu d'harmonie, tu vois, tu mets les deux principales dans les deux extrémités, tu mets les couleurs ensemble. D'accord, et ça coûte combien, tu m'as dit? Eh bien ça coûte 4,90€ les 5 anneaux. Les 5. C'est un lot de bagues. Du don. C'est génial. C'est kiffant. En plus, tu peux en mettre à tous les doigts si tu préfères. Exactement. Ne pas les avoir que sur un seul. Quoi d'autre? Et enfin, on va terminer avec des bagues de chez Agatha. Cette fois-ci, elles sont un peu plus travaillées, un peu plus sophistiquées. La première que je te présente est en métal argenté avec des fleurs violettes et des petits cônes verts et roses. Et en plus de ça, il y a des jolies petites perles, donc c'est très raffiné. Ça vaut 70€ chez Agatha. Toujours chez Agatha, je te propose une autre bague, cette fois-ci avec une grosse perle au milieu en métal argenté. Et elle est ornée de papillons, de fées, de fleurs, c'est très féerique. Et celle-ci vaut 90€. Et enfin, celle-ci... Elle pèse lourd. Hein. Elle pèse lourd, moi c'est une de mes préférées. Ça fait un peu boule de cristal. C'est vrai. Ah, alors attends, est-ce que je peux lire ton avenir là-dedans? Ouh, mais Jenna, c'est pas possible. Tu t'es fait larguer? Sans commentaire, je ne réponds pas à cette provocation. Écoute, excellent. Je vais t'offrir ta bague de fiançailles. Enfin, je te l'offre en avance étant donné que tu n'es pas encore fiancée. C'est vrai. Il s'agit d'une bague toujours chez Agatha en métal argenté qui est strassée, avec des fleurs sous forme de rose ou de tulipe selon ton imagination. Et celle-ci vaut 60€. Eh bien, c'est ma préférée. Eh bien, écoute, je te l'offre malgré les insultes que tu me lances. Attends, c'est pas moi, c'est ta bague boule magique qui m'a dit. Bon, mais en tout cas, merci Jenna, les filles et surtout les garçons. J'espère que vous avez pris note pour offrir une super belle bague à vos copines. Et puis, et en plus, il y en a pour tous les prix. Hein. Là, au moins, vous pourrez pas dire une bague, ça coûte trop cher. Ça va de 1,50€ à 150€ pour les plus généreux. Bien sûr, ma préférée, elle coûte 70€, in the middle. À vous de voir. En tout cas, merci beaucoup, Jenna. Une exclue Fit TV.